Et elle est. Alors, où est, si c'est pas indiscret, où est ta douleur? Alors, moi, c'est les mains. Les mains? D'accord. Et au niveau, en ce moment, c'est surtout les mains et l'orteil droit. Ça va, c'est possible. Parce qu'il faut vérifier toujours que la douleur ne soit pas au milieu du dos. D'accord? C'est la seule limite de l'hypnose. Donc ça, c'est assez chiadé, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on va aussi aller chercher un niveau d'induction assez profond. Bon, c'est bien, tu es déjà aussi quand même bien, donc je vais essayer de ne pas faire de mal tout en montrant aussi l'idée, hein, d'accord? Hop! Oui, il y a du boulot, hein. Bah ouais, je vois ça. Du coup, et le dit-toi, ça serait. Pardon. Oui. Cette douleur, tu la décris un petit peu? Qu'est-ce que le. Non, ne te fais pas de mal. Qu'est-ce que tu veux à la place de la douleur? Qu'est-ce que tu veux ressentir à la place de la douleur? La liberté, du mouvement, de la chaleur, Alors comment tu te sens quand tu es en liberté, en mouvement, quand tu ressens de la chaleur? Comment, c'est quoi qui vient? C'est quoi? Pas de la joie. En fait, je revis. D'accord. On y est là. On pleure pas tout de suite. Ouais. La joie. Super. Mais pour montrer qu'elle est connectée, hein, vous voyez, ça c'est vraiment important d'aller chercher ça à chaque fois. Ça me va. Du coup, est-ce que ça te va si on constitue un gant ou tu préfères une moufle? Le gant, ça me permettrait d'atteindre des zones qui sont plus que la moufle. Ok. Comment tu... Je vais fermer les yeux un petit peu. Tu sais bien qu'on voit mieux les yeux fermés. Comment tu le visualises, ce gant? Est-ce que ça serait un gant de chirurgien comme il y a sur l'écran? Oh, est-ce que c'est... Ce serait comment, ce gant? Un gant vert avec des paillettes. D'accord. Ouais. Super. Et il est en quelle matière, du coup? Il est doux. Parce que l'idée, tu vois, c'est que ce gant qu'on va confectionner, tu ailles le tremper dans un réservoir un petit peu anesthésiant. Ouais. Et puis, du coup, ce gant, il va se charger de ce produit anesthésiant, antalgique, et tu vas pouvoir le diffuser. D'accord? Donc là, tu es sur le gant, on reste sur le gant vert en paillettes, doux. Ok. Il a quel doux à l'intérieur? Les deux. D'accord, c'est comment à l'intérieur? Il y a de la moumoute à l'intérieur et à l'extérieur, c'est un petit peu. C'est du velours. Ouais, velours, ouais, ouais. Ouais, pardon. Ah ouais, velours. D'accord. Ok. Et donc vers quelle couleur? C'est un vert bleu comme ça. Le vert, c'est un bleu canard en gros. D'accord. C'est ça, c'est le bleu canard. Okay. Vert bleu canard. On va le mettre sur la main droite ou sur la main gauche? Alors, vu que j'ai plus mal à la main droite, j'aimerais que ce soit la main gauche qui vienne apaiser la main D'accord. droite. Super, important de se poser cette bonne question. D'accord. Et du coup, ce gant, à un moment, tu vas venir le plonger dans un contenant. Tu vois, ça peut être un petit plateau de bloc opératoire, de dentiste. Ça peut être un seau dans lequel c'est rempli de liquide anesthésiant. Ouais. Qu'est-ce que tu visualises, toi? Ouais, c'est un seau. Un seau? D'accord. Ouais. Et il est comment, ce seau? Il est rond, il est bien haut. Donc on le laissera à côté de toi.
D'accord, sur ta gauche, et puis à un moment, tu viendras tremper ta main, ce gant, dans le seau. Ça va? D'accord. On a le gant, on a le contenant, et du coup, ce produit anesthésiant, tu vois quoi? C'est un liquide, c'est un gel, c'est... J'ai le droit à une crème. Ah bah, tu as le droit, tu as tous les droits, d'accord. Ah ouais, une bonne crème. D'accord. Une crème, ok. Qui a quelle consistance du coup? Ah, elle est onctueuse. Mm-hmm. Je peux facilement l'étaler. Ouais. D'accord, elle aurait quelle odeur? Alors, comme dans les îles, là, la fleur de tiare ou comment? Le monoï, c'est ça. C'est fleur de tiare ou monoï, qu'est-ce qu'on est? C'est pas la même. C'est pas la même, je sais pas. Ça sent le monoï. D'accord. Monoï. Ça marche. Elle est de quelle couleur, cette crème onctueuse? Alors, elle est un petit peu jaune avec des paillettes. Alors, on met les paillettes. Donc elle a cette odeur de monoï. Elle est plutôt chaude ou plutôt froide? Elle va être plutôt chaude. Plutôt chaude, hein. D'accord. Ok. Bah on est bien là. Hein? Ça va pour toi? Donc on va constituer progressivement ce gant magique. Et puis je propose que dans cet état de relaxation des pompes et d'hypnose, tu peux rouvrir les yeux, tu es d'accord de rentrer en hypnose, ouais, rapidement, ultra rapidement, ultra rapidement, ultra rapidement, ne perdons pas de temps, on va aller chercher la joie, d'accord, tu vois joie dans ta main, regarde ta main, et dorme, le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, relâche, tu peux rouvrir les yeux, voilà, et puis maintenant, on va de nouveau respirer ensemble, tu te souviens, cette induction qu'on a fait. On inspire, on souffle, on inspire, et dormir. Le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, relâche. On ouvre les yeux, et puis on peut suivre ce petit papillon. Voilà, tout le monde qui descend, et qui descend. Dormir. Le 5, le 4, le 3, le 2, le 1. On voit les yeux, tu sais, je tire, tu ouvres les yeux, je prends les yeux, les yeux, et dans 5, 4, 3, 2, 1, on voit les yeux, visualiser dans ta main, c'est l'hypnose, et plus ta main se rapproche, plus tu ressens cette joie, et dans 5, 4, 3, 2, 1, on prend un mot. Et puis rentrer un petit peu plus dans ton intériorité, approfondir cet état d'hypnose en visualisant les trois paliers que tu vas pouvoir faire dans un instant pour aller au maximum de cet état de relaxation, de détente, d'hypnose. Visualiser si tu montes, si tu descends, si tu avances, si ce sont des escaliers, que sais-je. Et dans un instant, pour voir juste faire ces trois paliers. Et au compte de 3, réaliser le premier palier, le 1, le 2, le 3, et rentrer un peu plus dans cette étape de relaxation de temps que du blues. Lorsque tu atteins le premier palier, tu peux me faire un petit signe d'index. Premier palier. Au compte de 3, conscientiser, visualiser, en train de ressentir ce deuxième palier, le 1, le 2, le 3, et à ton rythme. Approfondir cet état de relaxation, de détente, pour aller connecter la joie. Lorsque le deuxième palier est atteint, on peut faire même un deuxième signe. De... Enfin, visualiser ce dernier palier qui va te permettre d'arriver au maximum de cet état de relâchement, de détente et d'apaisement. Mais avant cela, je vais redresser ta tête. Plus je redresse ta tête, plus tu seras apaisé, plus tu ressentiras cette joie pour te rendre la séance plus agréable. 1, 2, 3 et
visualiser, conscientiser le troisième palier, le 1, le 2, le 3, et pour dans un instant arriver au maximum de cet état de relâchement, détente et d'apaisement. Lorsque tu es au maximum d'état de relâchement, détente et d'apaisement, tu peux le faire aussi de l'index. Très bien. Maintenant, tu vas visualiser devant toi un tableau noir, un tableau d'école, sur lequel tu vas venir décompter progressivement, écrire le chiffre 100, puis à la craie, puis tu verras qu'à côté de toi, il y a une éponge un petit peu mouillée, tu viendras effacer le chiffre 100. Une fois qu'il sera effacé, tu viendras faire un petit repère sur le tableau, et puis tu énonceras wow out le chiffre 99 que tu écriras. Tu pourras l'effacer de nouveau avec cette éponge un peu mouillée, faire un petit repère comme quoi tu as effacé le 99. Et lorsqu'on sera au 97, tu seras au maximum de cet état de relâchement, de détente et d'apaisement. Visualiser ce tableau, visualiser la craie, prendre la craie dans tes mains, le 1, le 2, le 3, et écrire le chiffre 100, et tu l'écris, je vais pouvoir l'écrire. Avec l'autre main, l'éponge mouillée, effacer le chiffre 100. Super, et faire un petit repère sur le tableau comme quoi tu l'as effacé. Énoncer à voix haute le chiffre 99. Écrire ce chiffre. Ce chiffre avec l'éponge. Faire un petit repère. Le chiffre suivant. 98. Écrire le 98. Avec l'éponge. Lorsque tu annonceras le chiffre 97, tu seras au maximum de cet état de relâchement, de temps d'apaisement. Super. Là où tu es, dans un instant, tu vas du coup pouvoir plonger ta main gauche dans ce seau qui est juste à côté de toi. Ce seau rond, bien haut, dans lequel... Ce seau qui est rempli de crème onctueuse, de crème anesthésiante, qu'on peut facilement étaler. Cette crème jaune avec toutes ses paillettes. Et puis, qui est chaude. Dans un instant, au compte de 3, tu vas pouvoir revenir tremper ta main dans ce seau, le 1, le 2, le 3, et chaud. Tu peux tremper ta main dans ce seau. Sentir la chaleur, le côté onctueux de cette crème. Voir la couleur des paillettes, et puis redresser ta main et faire sécher ce gant qui est en train de se constituer. Mettre ta main voilà, bien ouverte, laisser la main un petit peu en hauteur, et sentir que le gant est en train de se constituer, que peut-être dans la main tu ressens quelques paresthésies, quelques lourdeurs, qui sont le signe de cette anesthésie. Tu peux visualiser ce gant vert, avec toutes ces paillettes, doux, ce gant qui est rempli de joie, qui est rempli de liberté, de mouvement, de chaleur. Lorsque tu sentiras que le gant est complètement sec, tu sentiras que ta main est bien anesthésiée, alors tu pourras me faire un petit signe avec l'index de cette main gauche. Alors, dans un instant, au compte de 3, tu vas pouvoir déposer ce gant magique que tu as constitué, ce gant vert avec ses paillettes. Les paillettes qui incarnent la liberté, le mouvement, la chaleur, la joie sur les sensations que tu as dans l'autre main. Et immédiatement, la joie, le mouvement, la chaleur, ces paillettes
cette crème onctueuse que tu peux étaler et voir à quel point tu te sens libre, tu te sens en mouvement, tu ressens cette chaleur et tu ressens cette joie. Cette joie qui gagne ta main gauche, mais qui gagne aussi le bras, la nuque, l'autre bras, l'autre main, ton torse, le ventre, les jambes, les chevilles, et désormais ancré à jamais de quand tu constitueras ce gant, quand tu viendras déposer ce gant sur tes douleurs immédiatement, la joie. La joie, la chaleur, le mouvement, la liberté dans l'ensemble de ton corps, dans toutes ces zones qui méritent liberté, qui méritent mouvement, qui méritent chaleur. Juste en faisant ce petit geste en pleine conscience d'ancrage, d'aller tremper ta main dans ce seau, de laisser la main se sécher, ce gant se constituer lorsque les doigts sont un peu lourds, quelques fourmis, et à ce moment-là venir appliquer ce gant magique. Là, il doit être appliqué et immédiatement liberté, mouvement, chaleur, joie, les paillettes, voir la vie avec des paillettes. Tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin, et laisser ces paillettes diffuser, scintiller. Que ta vie soit paillette, que tu sois paillette, et laisser toutes ces paillettes de toutes les couleurs diffuser. Là doit être cette chaleur, cette onctuosité. Chaque fois que tu en auras besoin, juste en trempant ta main dans ce seau, en laissant le gant se constituer, en faisant ce petit geste d'ancrage avec l'index lorsque le gant est constitué, en venant l'appliquer, là doit être appliqué. Cette joie, cette chaleur. Juste en trempant ta main dans le seau, en laissant le gant se constituer, en le laissant sécher. Lorsque la main est lourde, lorsque les doigts ont quelques fourmis, sur ce petit geste d'ancrage de l'index, c'est ça qui n'est pas vrai. Parce que le gant est prêt à être utilisé et de venir l'appliquer. Immédiatement, paillette, paillette, paillette. La joie, la joie, la joie, le mouvement, la liberté, la chaleur. Pour dans un instant revenir ici tout en joie, tout en paillettes, comme une grande vague d'énergie qui sortirait de ce seau anesthésiant qui gagnerait la plante de tes pieds, les mollets, les cuisses, les grandes vagues de paillettes, et revenir ici maintenant rempli de joie, le 3, le 2, le 1, et chou, paillettes. Super. Comment t'as vécu la séance? Un réconfort. Ah oui. T'en es où de ces douleurs là? Tu avais des douleurs dans la main et j'aurais pu les évaluer avant d'ailleurs. Ah oui. Mes douleurs là aujourd'hui elles étaient à 6. Je dirais 2. Tu peux? Je t'invite à faire ce petit ancrage et à refaire ce geste qui est ancré à tout jamais. Donc c'est quoi l'ancrage que je dois faire? C'est l'un.